Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas Jumbo qui a percé un sachet de pâtes dans l'espoir d'en manger? Non, certainement pas. Certainement pas, non. Je te baise. Yo, non, c'est Squeezie. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie d'être un chat, de faire toutes les mêmes conneries que Jumbo fait. Pour ça, il y a un jeu qui existe qui s'appelle 4 Lateral Damage. C'est parti, on va jouer en objectif mode. Voilà, on va griffer des canapés, voler de la bouffe, apprends à jouer. Mais je sais déjà, je vois Jumbo tous les jours faire ça. Tape des objets pour qu'ils tombent par terre. Ouais, 360, petit bisou à maman sur le tableau. Ah, non, plus c'est carrément pas un chat joli, hein. Alors là, désolé, hein. Mais Jumbo est bien plus beau. Brah, ah, ça fait tellement du bien, putain. Mais je comprends pourquoi il fait ça en fait. Ah, c'est bon de faire tout tomber, d'être un salopard de chat. Je vous avais bien dit qu'il referait une connerie, alors je l'ai pas pris en flagrant délit parce qu'il est trop fourbe. Mais en attendant, monsieur essaie de manger des coquillettes pas cuites. Jump dans la boîte pour continuer. Regardez comme il est mignon, ce petit enculé. Allez, la suite, putain, je vais griffer des rideaux. Fouiller dans les poubelles. Réveiller mon maître à 7h du mat pour lui demander à manger. Ces humains paieront. Mais on t'a rien fait, putain, on te nourrit, on te caresse. Pourquoi tu veux nous faire payer, quoi? Ah, j'ai du temps, je dois faire tomber plein de trucs. Ok, c'est parti, alors là, mon gars. Alors là, mon gars, tu sais pas par qui on a été entraîné, nous. Par le pire de tous les chats. Le miaulement que t'entends à 3h du mat et qui te fait un peu flipper, quoi. En fait, c'est pas un chat, c'est un psychopathe qui vient d'entrer chez toi pour te tuer. Qui fait ce bruit. Oh! Voilà, putain, le câble qui se détache du plafond. Oh la vache! Oh, j'ai eu peur. Oh là là, je pensais que c'était autre chose. Oh, s'amuse, abonnez-vous. Il y a 260 objets à faire tomber, mais mon gars. Bra, bra, bra. Les cahiers, les feuilles, les robots. Easy, easy, easy. Easy, je m'appelle Jumbo et je fais de l'autotune et des sons avec Booba. Je sais pas ce qu'il m'a pris. En plus, il y a la musique la plus kawaii du monde, quoi. On pourrait mettre ça, ce serait même pas plus kawaii. Tout doit disparaître, putain. Even, c'est quoi un even? Even, a mouse is loose, catch it. Y'a une souris. Eh, s'il te plaît, montre-toi. Eh, je veux juste te faire des caresses. Oh, la BH. Hop là. Bah ouais, nous on est trop puissant. Attends, j'ai un power-up, j'ai un power-up. C'est... Oh, je vais super vite. Attends, par contre, du coup, c'est incontrôlable, bordel. On dirait que le chat est sous cocaïne, putain. Eh, ça, ça disparaît, hein. Eh, j'aime pas les cas avec Claire Fontaine, je les shoot comme ça. On est déjà à la moitié du temps. Eh, putain, en fait, c'est dur d'être un chat. Oh, la télé, putain. Alors là, eh, Jumbo, s'il fait ça, mon gars, bah il me fera ses gros yeux, je lui ferai un câlin. Oui, ok. Et est-ce qu'après il y a la réaction du maître quand il rentre chez lui? Complete, bonus plus 129. Viens mon grand, on va jouer à ce à quoi tu t'amuses à jouer tous les jours dans la vraie vie. Je raye des trucs et casse des objets. LOL XD. MDR, c'est trop drôle. Ah, je monte sur le clavier et je fais tomber tous les objets du bureau de Lucas. Quoi, faut casser 288 000 dollars d'objets? Et pour ça, on a 11 minutes. Non, mais attends, à bientôt, c'est une émission, elles dureront une heure, quoi. Ça suffit, bordel. Je sais qu'on a pas de vie, mais quand même. Mais quand même. Alors là, on a juste fait tomber des livres et des feuilles à 4, on est déjà à 500 dollars, mon gars. Je sais pas dans quel pays on est, mais la vie, elle coûte très cher. Oh, j'ai fait tomber une épée, comme les chevaliers. Mais regardez-moi ces putains de chats, là. Bon, je fais le malin, mais j'avoue que c'est trop chou. Regardez comment on s'amuse dans un genre où l'on joue un chat. Allez, chat, dégage, tout chat. Oh là là. J'ai débloqué un nouveau chat. Rufus. Attends, le mec s'est donné pour faire son jeu quand même, quoi. Ce qui est marrant, c'est que le mec a créé le jeu. C'est comme moi, il a un chat qui fait plein de conneries. Sauf que lui, il a craqué son slip. Il s'est dit, je vais consacrer 6 mois de ma vie à développer un jeu dans lequel tu casses tout en tant que chat. C'était une explication un peu longue pour une chute un peu moyenne, mais bon. En plus, je suis un maniaque, je veux plus qu'il y ait rien sur la table. S'il reste un peu d'objets, ça compte pas, quoi. Jusqu'à avoir une magnifique table, voilà, avec rien dessus. Mon gars, ça doit coûter une blinde. Un véritable squelette de T-Rex. Mais non. Mais mon gars, regardez les dollars. Allez, dégagez, voilà, complète, mon gars, on est un chat parfait. 280 objets. Il y a des échelles et tout, mon gars. On est dans un... Ah, oh non, mais là, c'est trop triste, on est dans un dortoir d'enfant. Et le chat, ça cache tout. C'est pas lui qui va se prendre les heures sup à tout nettoyer, là. Putain, moi, je parle déjà d'heures sup, quoi. On dirait que j'ai carrément des enfants qui travaillent pour moi. Oui, je parle plus, voilà, c'est-à-dire que je fais une vidéo, mais en fait, je veux juste kiffer tout défoncer dans ce jeu. Ah non, le petit trou. On aurait dû le filmer, ça. On aurait dû filmer le chat qui tombe dans le trou. Et on aurait fait 8 millions de vues. Si un jour je rentre et que je vois que Jumbo a fait ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ça, là, regarde, ce que je suis en train de faire, c'est le pire. C'est le pire, la verrerie, putain. Je le donnerai. Je ferai un giveaway de mon chat. Swat is max. C'est quoi? Mais c'est la fin. Ah, ok, c'est la vitesse à laquelle je frappe. Le chat Super Saiyan, quoi. Voilà, j'ai mis un bon bordel, hein. Allez, je vais en saltourir dans la caisse. J'ai raté. C'est quoi le niveau d'après? 500 objets. Non mais là on a une vie quand même. Non mais il faut dire ce qui est. Les gens veulent détruire plein d'objets pendant 12 minutes. Kato et Richter. Ah, Kato et Richter. Ils ont été de salauds. Ils sont méchants. En plus ils se frottent la colonne. Ça c'est très vicieux ça comme acte, hein. Event, un boost gratuit est apparu. T'imagines, ils diraient event, un boost payant est apparu. C'est-à-dire tu vas au boost et là on demande de payer 4 euros, quoi.
Voilà, bon, je pense à un délire bizarre. Alors ce qui est bien, c'est que le gameplay est riche et très varié. Vraiment, à aucun moment t'as l'impression de faire la même chose depuis une heure. C'est un vrai plaisir à jouer. Et voilà, c'est la fin. Nous avons gagné. Et là, il va me dire faire tomber 1000 objets. Ça, sans trop. Non, mais là, c'est bon. Franchement, je pense que j'ai compris le but du jeu. Hein. C'était très, très sympa, très doux, très soyeux comme les poils d'un chat. Oh, oh, c'est chou. Oh là là. Oh, quel mignon. Oh. Des barres avec le masque de Batman. Oh. Oui, bonjour, c'est la fin de... C'est déjà la fin de cette vidéo sur 4 latéral damage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre la vidéo comme d'habitude. Je sens que ça a plu à Jumbo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai définitivement lâché toute la haine que j'avais envers les bêtises que Jumbo fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde. Peace.